habitants dans le département d'État et ça a proposé à l'entrée dans le National Security Council dans la Maison Blanche, côté toute institution, le ministère Vinbay, disons, et c'est NSC, National Security Council, qui décide qui ça a fait avec mon pays. Donc, Under Secretary of State Kowek vient en Haïti, M. Kent a fait l'Europe de l'Est, qui passe dans plusieurs pays, même j'ai rencontré plusieurs présidents pour discuter de ça qui a passé dans le pays, ça a eu intérêt les États-Unis, il fait ça dans le Moyen-Orient. Fois ça, voyage li a mené dans Bahamas et Haïti. Donc, première question qu'on va poser, qui ça qui intéresse les États-Unis en Haïti? Intérêt les États-Unis en Haïti, c'est le maintien de la stabilité politique, le renforcement des institutions démocratiques et le développement économique. Okay? C'est Américain qui a aidé nous faire l'élection 2016 avec le président Mattéli. C'est Américain qui témoin leur opposition n'a pas d'accord à résultat élection yo et mandé au Réavini et c'est Américain qui supportait ça. C'est même opposition ça qui n'était président privé et c'est eux-mêmes qui étaient formés gouvernement et c'est à gouvernement privé et gouvernement opposition que Jovenel gagne deuxième fois élection pour devenir président de la République. C'est Américain qui a baillé 100 millions pour faire élection. Donc Américain a remarqué que en 33 ans on sait qui existe dans le pays d'Haïti, Américains ont décidé que la mettre un point final dans le cycle. C'est qui ça, le cycle? Pour qu'on comprenne le cycle, trois poumons sur papier blanc font tiron là-dedans. OK? Lorsqu'on fait tiron sur papier blanc, dans la première boîte là, on met l'organisation des élections. On fait une deuxième petite boîte. Dans la deuxième petite boîte là, contestation, mandé gouvernement de consensus. Dans la troisième petite boîte là, vle pas vle, faut l'aller. Dans la quatrième petite boîte là, élection et alors gouvernement de transition. Et puis, dans la cinquième petite boîte là, et élection encore. Et puis après élection, on recommence encore. Et gouvernement de consensus. Et vle pas vle, faut l'aller. Gouvernement de transition, ou retourner dans l'élection encore. C'est ce qu'on a fait depuis 33 ans environ. Je vous le dis, pour stabilité politique pays, et gain intérêt américain au niveau régional tout et faut que gain consensus qui bâti à travers le dialogue et bien entendu stratégie et parce que moi-même l'aime parler d'opposition moi deux qualités d'opposition moi l'opposition démocratique et modérée d'une part nous ne savons pas la violence qui doit opposer à président mais on va la violence et puis bon deuxième partie qui c'est ça mêler le secteur violent et destructeur. Mais ça yo, non seulement au niveau international, yo crase tête yo, mais dans mi temps population, yo crase tête yo tout. Parce que l'or a wal armé ou bay des gangs am et pour distribuer zam bay gang yo. En 21 mois, 23 mois, yo boule 10 marchés publics. Yo boule 11 commissariats pour aider renforcer trafic cocaïne qui sort de Venezuela et Colombie. Yo boule sa formation professionnelle. Yo boule l'école communautaire. Ils ont attaqué l'hôpital, ils ont attaqué le centre de santé, ils ont boulé le tribunal, ils ont boulé la mairie. Ça veut dire que l'on fait bilan secteur violent et destructeur à travers la violence que vous faites dans l'OC. Alors, comme dit jeune qui n'est pas habitué à ça, il y a des modèles qui existent aujourd'hui sur Internet là pour qu'on joigne. Les grands pays qui ont tremblement de terre, en fonction du niveau tremblement de terre, le modèle là permet d'évaluer combien de pays ça a perdu. Laissons cyclone, en fonction de catégorie cyclone, nan, et Jean cyclone nan frappe pays, a, modèle là permet d'évaluer combien pays a perdu. Par exemple, cyclone Mathieu, modèle ça te permet Banque mondiale, ouais, que nous t'es perdu à peu près 2,7, 2,8 milliards de dollars, presque 3 milliards de dollars, Mathieu Kral. Même Jean tous les gains tsunami. On parle de qui période? Pardon? On parle de qui période et toute l'argent d'une perdu là? Et Mathieu fait une perte de 3 milliards de dollars américains, cyclone Mathieu. C'est le même modèle ça, le bon modèle qui existe tout. Les gains troubles politiques en dedans pays, non pays qu'on coupe pays d'Haïti, en fonction et secteur d'activité économique, agriculture, tourisme, transport, construction, assemblage, secteur informel et l'atelier, lui permettent d'évaluer l'impact de violence politique yo, sous activité économique. Yo. Donc, même cadeau que, en fonction de modèle ça, violence locale,
en 23 mois, fait nous perdre 1,450 milliards de dollars américains. Il fait nous perdre 45 000 jobs. Violence bloc-lang, il y a à peu près 500 femmes qui violaient sous barricade. Il y a à peu près 30 000 personnes qui ont pillé sous barricade yo, à travers le pays. L'écrasé croissance économique là, en 2019, croissance économique là, selon rapport Banque Centrale qui était doué à 2,4% à cause de violence bloc là, n'a pas une croissance économique négative à Nessa. À cause de violence bloc là, tout, qui complètement ralentit l'activité économique, l'école paysan, pas qu'à l'en marché, manger, pas qu'à circuler, ils ont mis 3 700 000 personnes additionnelles dans le grand goût, catégorie 3 et catégorie 4. Donc, Erisal image pays d'Haïti, ça veut dire que tout investissement que nous sommes faits pendant 6 ans qui se passent pour faire promotion touriste et retour diaspora dans le pays, nous craser l'industrie touristique pays d'Haïti à 60% de saleté représentée par rapport à 2018 et saleté adouée en 2019. Donc, monsieur qui était dans l'Okyo, il a crasé l'économie pays. Et c'est ça que fait, moi-même, l'homme qui a fait interview dans la radio, m'a dit, avant que tu commences à violence, m'a dit, il y a un avertissement pour que tu comprennes qui côté au pralé. M'a dit, monsieur, qui est dans le secteur violent et destructeur, gardez qui chante en 2013, 2014, 2015, des rats, Jean-Baptiste Bien-Aimé, Carlos Lebon, Franck Exil, t'as bloqué. Blocage yo qui mène un pays dans la vie. Alors, on parle des blocages stand, nous n'avons pas d'accord avec yo, mais c'est yo ta fait travail yo d'abord. Action que yo te mène yo, peuple là bas yo tout canet dans l'élection 2016 yo. Ça veut dire que moi-même, bon bah, m'pas connais qui est-ce qui vient prochaine élection Ismaël. Mais on va m'cadou à soi parce que nous sommes experts en développement politique tout, m'participe, on travaille dans un paquet de pays, Amérique latine, Caraïbes, Afghanistan et Moyen-Orient en Afrique. À ce que à 99.9, tout nèg qui n'en violence yo déjà perdu prochaine élection. Bon, répétez le bien pour qu'attendez ou mettre serré interview ça pour distinguer et dire ça. Non, son, c'est magouille. C'est Jean Plan Moutier ou bien c'est Moun Lakay ou pas voter Stanley Lucas? Bon, explique-moi pour qui ça nèg yo pas gagner. Et n'a fini oui parce que nous vraiment pas gagner. Et nous connaît. Ben pas gagner temps. L'autre bon paysan et Ismaël qui finit secret. Li planté, li ouze le secler encore, récolté. Banan ni nan mel, à cause de violence lok, banan nan pourri, li pa kavo e van ni nan marché, c'est cochon qui l'oblige bay la. Ou bon ti machin qui monte à kae, la lâche ton 50 douzaine banan à un pont et à quel point, l'achete patate malanga, peut-être violence lok, à gang qui fait barricade dans le pays ya, et puis marchandise que l'achete a pourri nan mel, pour y a quel point va l'obliger payer malgré tout. Vous pensez dans la prochaine élection, moun sa yo pral voter, secteur violent et radical opposition qui fait yo vin pi pauvre et qui décapitalise yo? Absolument non. Donc c'est pour ça moi dou que l'on nèg ou son politicien ou pas agi, ou pas mettre violence dans pays a, k'ap crase économie. C'est tête ou quoi piqué. Jounen jodi a devant population, politique violence là, il y a limitation là-dedans. C'est pour ça nèg yo échoué dans politique violence. Donc alors question déposée. Oui, madame Fonse. Allez, non. Oui, madame Fonse. Non, je parle pas de nèg qui t'a parlé tout à l'heure. Et en général, les conflits politiques dans la société, ou voulez faire société avancer, c'est soit ou utiliser la voie institutionnelle, nèg yo essayé dans voter président dans parlement, dans mise en accusation, sous 119 députés et 3 seulement qui ont voté. Ils ont échoué là. Ils ont essayé dans le système judiciaire, à travers une affaire inculpée, juge après enquête, 54 dossiers que l'analyser, lui montrer, il sortit une ordonnance de clôture qui montrait l'innocence président pas de jambes affaire inculpée. Donc, les nègres ont échoué au niveau démocratique et institutionnel, ils prend voie de la violence, les ont prend voie de la violence là, c'est peut-être qu'ils ont piqué, ils même ça. Donc, visite ça, stand de l'ICAC, ça me l'a tout fini là. Est-ce que l'ICAPABLE abouti? Donc, vous parlez des mouns qui sont là, il y a qu'à faire. Non, il n'y a pas abouti. À qui ça? Visite là, pas abouti. À qui ça? Les États-Unis. Jovenel pour aller ou bien, il y a privé cohabiter avec lui? Non, pas gaffe à aller. À faire aller, il va exister dans aucun film. C'est moi-même qui parle avec vous. Je dis longtemps dans la radio, ça me bat, je me bats mon menti moi-même. Mais pas d'accord. Pendant tout pays, il y a des locales, je me bats de même. Va m'expliquer aux gens. Va m'expliquer aux gens qui pas de menti. Ouais, les États-Unis n'ont pas appliqué diplomatie. Il y a deux outils dans même. Premier outil, c'est la carotte. La diplomatie.
passer maintenant tête ou à dialoguer, l'ouvrir une série de portes pour vous, mon cher, faire dialogue là, bâtir un consensus, faire payer ou marcher. Deuxième soutien, il est le bâton. Bâton en gain doit c'est madame Apititou yo retourner, bâton en gain doit c'est Dié qui vient chez chaud. Bâton en gain plusieurs fois. Alors vous dites il vient chercher faut non démêler avec la justice américaine, vous dites il vient chercher. Allez dit en Dividal moun ki nan la rio là, des chefs de l'opposition qui a terre là, est-ce que gien démêler avec Dié pour venir chercher lui? Moi-même et couper visa tout, est-ce qu'elle t'a dû couper par pour position politique moi? Bon, et les pays n'ont pas d'amis, les pays ont des intérêts. Moi-même qui parle avec vous là, mais qu'on documente depuis longtemps qui dit que nous devons renforcer l'institution nous pour que même les outils que les États-Unis gagnent qui balle force ça yo, nous gagnons outils ça yo par rapport à la République dominicaine, par rapport à une série de l'autre pays Caraïbes blanc pour nous défendre l'intérêt. Le problème que nous remarquons en 33 ans, anarcho-populiste à l'encontre yo camp en face bâti institution qui ka défendre l'intérêt peuple là. L'autre dit wa construit l'armée ou pas d'accord. L'autre veut renforcer pouvoir judiciaire ou pas d'accord. L'autre veut renforcer capacité parlement yo plutôt bloqué. Eh ben l'autre dit pendant m'a parlé avec ou là et fini la fini la nuit. Ismaël. Et puis ouais, pendant m'a parlé avec ou là et qui dossier que nèg yo rien et pendant moi qui se passé. Yo n'a dossier c'est deux dossiers, c'est droits humains et corruption. En d'un dossier corruption, en d'un coup supérieur des comptes fait deux rapports, ça arrive avec rapport droits humains qui sous corruption à l'un paquet. Paquet a fait un réquisitoire d'informer, là, il joue un juge d'instruction. Merci en pile, stand de Lucas. Pas bon nègre opposition, non, qu'a accompagné le juge d'instruction. C'est même bagaille pour droits humains. Mais Gabriel est en moué la salle. Merci en pile. C'est même bagaille là. Juge en fait, commissaire gouvernement fait réquisitoire d'informer, bon juge d'instruction. Juge d'instruction auditionné 80 moun. Il y a 74 plaintes qui déposées. Sous base enquête qui fait, il y a 33 moun en bas code pour la saline, l'index c'est 98 moun. Ou j'en donne des bonnes propositions qui viennent parler de qui j'en la justice a pas avancé. Merci en pile. Merci en pile. Merci en pile, son de Lucas.